Oh putain, la vache! Oh putain, je bois, moi. On va faire un café, on va faire du bien. Parce que là. Oh! Putain, la vache! Petit café! Comment ça se fait que le PC il veut pas s'ouvrir? Ah bah ouais, pas... ah ouais, j'ai pas pris le chargeur. Non, pas grave. J'ai pris le chargeur. Ça va faire du bien, bon café. Café, 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 café. Oui, brave Jean. Bon café, ça va faire du bien. Il fait bon. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Allez, barrez-vous là, zou! Allez, 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 foutez le camp là! Foutez le camp! Allez, allez, allez! Putain, vous allez vous faire... Putain, vous allez vous faire bouffer par le chien là, si vous restez là, hein, bande de tarés, ouais. Ils vont se faire bouffer par le chien, eux. Ah, c'est joli à voir le matin, mais... Si vous en manque une dans la famille, ce sera pas votre faute, ce sera pas de notre faute, hein. C'est une propriété privée ici. Vous n'avez pas le droit d'être là. Vous n'avez pas le droit d'être là. Je suis sûr et certain qu'ils vont dans l'étang. Sûr. Sûr et certain qu'ils vont faire un tour dans l'étang. C'est sûr, ça. Sûr et certain qu'ils vont dans les temps. Ah bah ça va, les poissons ils se portent bien. Tranquille, les poissons sont bien là. Je suis sûr et certain qu'ils vont dans les temps, ces saloperies. Sûr. Bon, on va poser ça, puis on va y aller tranquillement. Tranquillement, mais sûrement. On va poser ça. Et voilà. Un bon café. Allez, c'est parti.
Mais c'est qui eux, Clébard? Putain! Sam? 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 Donc c'est qu'il est? Sam? Je sais pas où il est. Ah ben il est là. Viens ici mon pépère, viens. Ça va mon pépère? Ça va mon pépère? Ça va mon pépère? Allez, c'est parti. Salut les filles, salut tout le monde. Vous avez bien dormi? Tout le monde a bien dormi? Ah, c'est quand même bien d'avoir un tableau tactile. Ok, ça s'est mis, ça s'est mis. Ouais, bah c'est impeccable, hein, tout a été bien mis. Impeccable. Là, on a combien? Ouais, impeccable, nickel. Allez, les filles! Allez, allez, allez! Allez! Ah, c'est bon. Là, ça c'est bon. Ouais, ça marche. Ok, ça c'est bon. Là, impeccable. Et là, le fusible il tient. Ah, ça a l'air de. Ah, ça a pas bougé. Ça a l'air d'aller. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Salut les filles! Salut tout le monde! Allez, allez, on se réveille là! Putain, ils dorment tous ou quoi? Allez, on se réveille là, les filles! Allez, hop, 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 hop! Allez, on va faire le paillage. Ils m'ont chargé ça comme des sagouins hier soir. C'est parti.
comment ils m'ont chargé. Ce qui est bien, c'est qu'il fait bon. Ouais, vous excitez pas, les filles. N'excitez pas, je leur donne de la paille, toute fraîche. Ouais, ça c'est bon. Je vais descendre ça. On va descendre. On va descendre ça. Voilà, ceci est descendu. Ça va, il fait bon aujourd'hui. C'est une bonne chose, ça. C'est bon, flexible.
Allez, rentre, putain, coup de merde. Voilà. Chaud patate. Toujours un truc, hein. Ah, j'ai pas mis
Je vais prendre l'autre. Ouais, ouf. Allez, mets-toi dedans, saleté de merde. Voilà. On va aller voir un petit peu, voir ce que ça donne. Ouais, il faut que je prenne une botte d'ensilage. J'arrive les filles, j'arrive les filles. Miam miam, miam 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 miam. Miam miam les filles, miam 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 les filles, on mange les filles, miam miam miam. Miam miam, allez les filles, on vient manger.
ça, je vais descendre ça, donc il y a un accident. Donc il y a un accident. Tombe, 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 tombe. Ouais, bien joué. Bon ben ça se débrouille pas trop mal hein. Nickel. Putain! Allez, dégage toi! Putain! J'ai failli écraser lui! J'ai failli l'écraser, abruti, oh! Thank you.
putain de trébor. Hein. C'est con. Abruti, ouais, j'ai failli l'écraser, toi. Tête de l'eau. Ouais. Allez, c'est parti, deuxième half pour les animaux. Allez, allez, on vient manger les fifi. Allez, on vient manger. C'est plein, c'est impeccable. Hein. On va vous laisser ça là. Hop. Ça c'est nickel, impeccable. Je vais leur donner un coup comme ça pour voir un petit peu où c'est que ça en est là. Alors, où est-ce qu'on en est là? Un petit peu de foin. Un petit peu de foin, un petit peu d'ensilage. Allez, c'est parti. Allez, on va se mettre de la musique.
Bah voilà, voilà un RP plutôt super bien fait. Et voilà un peu l'avancement de No Man's Land. Voilà comment nous on conçoit Farming Simulator. J'espère que ça vous plaira. Voilà un petit peu l'avancement de No Man's Land. Donc là, on va en profiter, hein. On va faire un petit survol. Voilà un petit peu comment ça avance. Et ça avance plutôt très très bien. Voilà les routes ici. Les routes qui sont ici. Là, c'est tous les magasins, hein, les points de vente. Là, pareil, des routes. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, hein. Alors naturellement, je remercie déjà, hein, toutes les personnes qui ont taclé un petit peu certains modeurs. Ah, là, c'est la série ici. Donc qui ont taclé un petit peu certains modeurs, hein, du 19. Et ouais, je suis pas modeur, hein, mais bon, rien qu'en faisant ça, on voit la différence, hein, entre certains modeurs qui ont fait des maps de merde qui ne sert strictement à rien, que même ma fille elle fait beaucoup mieux, mais bon voilà, hein, après t'as les mecs, voilà, enfin, c'est pas pour critiquer, mais Donna il ferait mieux d'aller jouer à la poupée Barbie, hein, au lieu de faire des maps. C'est pas méchant ce que je dis, c'est la réalité, hein. Parce que Donna, putain, laisse tomber, quoi. Donna, ça fait peur, hein, je peux vous garantir. Donc naturellement, il reste encore beaucoup, 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 beaucoup de travail encore. Il reste du travail encore, il reste du boulot. Il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail encore à faire. Alors ce qui est bien, c'est que... ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir... Là maintenant, bah, de toute façon, on peut rien faire d'autre, hein. Là, il faut s'occuper des animaux, et puis il faut faire les champs, tout simplement, parce que bon, les champs sont déjà tout ce qu'on pouvait déjà faire, c'est fait, donc on peut pas faire plus pour l'instant, mais ce qui est bien, c'est que la spécificité de tout ça, c'est que on a le temps. Voilà, là on est le 7 septembre, hein. Donc on a le je vais vous montrer le PDA. On est le 7 septembre. Donc là maintenant, on a vraiment le temps pour pouvoir travailler dans les champs tranquillement, sereinement, sans rien faire. Voilà, on a vraiment le temps de travailler. Voilà un petit peu. Et le PDA, ça donne ça. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc naturellement, il reste du boulot, hein, naturellement. Hein, c'est pas fini. Hein, il reste du taf. Donc on voit, hein, quand même, c'est que des grands champs. Hein, c'est que des champs gigantesques. Voilà, c'est que des grands champs. Donc là, il en reste encore. Hein. Il reste facilement encore, encore une dizaine de champs, facile. Là, on a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a 15 champs. On a 15 champs. Et on peut facilement en faire, voilà, hein, on va encore en faire facilement encore une dizaine, hein, voire encore une quinzaine. Hein, parce qu'il reste encore beaucoup. Il reste toute la place là. Il reste toute la place là, toute la place là. En sachant que toutes les collines ici, ça aussi, hein,
ça va être comment dire? Ça va être modifié tout ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Voilà un petit peu. Voilà. Donc ici, les collines ici ont été adoucies largement. Alors, on a laissé quand même les collines comme ça, mais on a largement adouci les collines, tout simplement pour pouvoir venir travailler ici. Donc les collines étaient beaucoup plus grandes ici, donc on les a adoucies considérablement. Et on va faire le tour comme ça. Donc là pareil, hein, ici ça a été adouci aussi. Donc tout ça a été adouci. Ici, bah, ça va être adouci avec. Donc là on voit hein, la globalité, comment que ça. Voilà, hein, un peu. Donc tout ça, la colline là va être adoucie. La partie là, peut-être la partie là, non, parce que bon, là, c'est pas la peine d'être adouci, c'est déjà pas mal là. Par contre, quand on va plus loin là-bas, il faut adoucir. Hein. Là, à partir d'ici, il va falloir adoucir. Voilà, tout ça va être adouci. Voilà, tout ça va être adouci. Là, pareil. Là, ici, pareil. Voilà, là, tout ça, il va falloir adoucir tout ça. Alors je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Ben, c'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué. Voilà. Voilà. Vous mettez là. Et puis vous adoucissez. Tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Vous adoucissez le terrain tout doucement. Voilà. On voit bien que ça descend. Voilà, vous avez vu un peu la butte, comment elle fait. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'il faut faire. Alors oui, certes, c'est long, c'est sûr, c'est long. Regardez un peu. Voilà un petit peu comment c'est. Alors c'est sûr, c'est long. C'est pour ça qu'il faut énormément, énormément d'argent. Hein. Pour adoucir tout ça, il faut énormément d'argent. Voilà. On va monter, on va aller plus loin là-bas. Voilà. Là, il va falloir vraiment, vraiment très, très, très adoucir. Là, ici, il va falloir vraiment adoucir considérablement. Regardez un peu comment ça descend, vous voyez un peu? Vous voyez un peu comment ça descend? Puis là, il va falloir adoucir. Là, il va falloir. Là, j'ai 2 millions d'euros. Il me faudra au moins 50 millions d'euros pour adoucir tout ça. Regardez comment ça adoucit. Ah, c'est vrai que c'est un petit peu dommage que. On ne puisse pas adoucir beaucoup beaucoup plus vite en fait. Ils auraient dû faire bah, le même système mais que ça aille beaucoup beaucoup plus vite quoi. Que ça aille beaucoup plus vite quoi, ça aurait été bien. Parce que là tu passes du temps. Hein. Là tu passes vraiment du temps. Enfin, vous voyez un petit peu, allez un peu hein. Là c'était une colline. Voilà un peu comment il faut adoucir. Voilà un petit peu. Et puis là, voilà un peu ce que ça donne. Voilà un petit peu. Donc voilà, donc sur ce, ben, j'espère que cette vidéo-là vous aura fait plaisir. Je vous ai montré comment on fait un RP. Et encore, hein, je ne me suis pas foulé. Hein, il n'y a pas de maison où on rentre à l'intérieur. Voilà, là, on n'a pas pris la douche, rien du tout. C'est un petit RP. Tranquille. Et puis, on attend hein, les personnes qui en fassent autant. Hein, parce que. Ah, c'est pas pour critiquer, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on voit des personnes hein, qui ont plus de 50 000 abonnés, et puis quand ils te disent ouais, on est un super RP, on est les meilleurs, ça fait quand même peur, hein, je veux pas dire. Mais chacun fait comme il veut. Donc voilà les potos. Donc sur ce, bah, moi je vous laisse passer bah, un bon début de semaine. Sur ce, nous on se retrouvera.
pour les prochains rendez-vous sur l'avancement de No Man's Land. Ciao!